Vous le savez désormais, je vous le rappelle chaque mois et tous les soirs dans notre générique, vous pouvez participer au Grand Prix des lecteurs de France Télévisions et voter pour le livre de votre choix. 25 romans français ont été sélectionnés par Electre et par Livre Hebdo. Et parmi ces titres, vous avez retenu pour le mois de mars l'ouvrage de Noël Châtelet publié chez Stock, La Dame en Bleu. Comédienne et écrivain, Noël Châtelet nous propose ici une brève fable de notre époque, d'une grande justesse psychologique, sinon d'une absolue vraisemblance. Solange a tout pour elle. La cinquantaine radieuse, une réussite professionnelle avérée, des relations nourries avec sa fille et un amant des plus performants. Tandis qu'elle fend la foule, emportée par le mouvement, la circulation des piétons s'interrompt presque. C'est qu'une vieille dame, vêtue de bleu, chemine à son rythme. À son exemple, Solange décide pour la première fois de prendre son temps. Elle quitte bientôt son travail, aussi frénétique que vain, et découvre en bas de chez elle un square où les enfants, à 4 heures, donnent du temps au sucre, comme l'écrit joliment Noël Châtelet. Solange se confectionne des soupes, elle porte des chaussons et célèbre la lenteur. Solange ou le temps de vivre.